Prêt à parier que tu n'as jamais entendu parler du concept d'écriture que je vais évoquer, et pourtant, tu le connais et tu l'adores. C'est le hareng rouge, et non, c'est pas un poisson d'avril. L'idée du hareng rouge, c'est de proposer une fausse intrigue aux spectateurs et aux lecteurs pour, dans un coup de théâtre final, montrer que c'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Un réalisateur qui est hyper connu pour ça, c'est M. Night Shyamalan, avec Le Sixième Sens ou Le Village, par exemple. On peut aussi citer Les Autres, Usual Suspect. On fait croire aux lecteurs que l'intrigue va être dans une direction et finalement elle va changer. Le piège, par contre, c'est de vraiment construire toute son histoire uniquement autour du coup de théâtre final, ce qui fait que les personnages ne seront pas assez développés. Même en commentaire, justement, l'histoire avec le hareng rouge le plus marquant. J'ai du mal à garder mon sérieux quand je dis ça.